Super. Vite, je rentre à la maison dire à ma cousine. Cousine, tu es là. Suis trop ravie de te voir. Devine quoi? La pommade de l'attraction marche déjà. Ah bon? Explique, j'ai appelé le riche homme, qui court après mon ami Ness, et il m'a donné la permission de l'appeler par son prénom. Ensuite, il se pourrait que lui et moi on se rencontre, ce samedi. Il va bientôt oublier mon ami, Ness, et n'aura des yeux que pour moi. Waouh! Quelle bonne nouvelle! Tu vois, je t'avais dit que cette pommade marche bien. C'est à cause de cette pommade que j'ai tous ces hommes qui me courent après. En tout cas, ce monsieur est un gros gibier, et on ne laissera pas partir aussi facilement comme ça. Suis trop contente, les choses vont commencer à marcher en ma faveur. Et devine quoi? J'ai la robe, parfaite pour ce rendez-vous. Tu seras tellement belle, que ce monsieur oubliera ton ami, Ness, la seconde qu'il te verra. Allez viens, je vais te montrer la robe moulante que je vais te prêter pour samedi. Tiens, il est là. Bonsoir. Bonsoir Vince. Bonne arrivée. Allez, viens, on s'assoit. Alors, ça a été la semaine? Oui, ça s'est bien passé. Merci. D'accord. Bon, on va commander à manger. Ok. Serveur? Nous sommes prêts par ici. Alors comment ça se passe avec ton ami? Vraiment, j'ai tout fait. Tout dit. Mais, mon amie est toujours réticente. Ah bon? Dommage. Mais bon, c'est pas grave. Tu as quand même tout essayé. Merci. Tu ris pourquoi? Parce que, je vois ce que tu essaies de faire. Ah bon? Et qu'est-ce que j'essaie de faire? Tu sais, je connais ces choses. Et je vois que tu es en train d'essayer de me séduire. Bon. Peux-tu me dire ce qui t'intéresse, en mon ami, Ness, que moi je n'ai pas? Parce que moi je suis disponible, je suis plus belle qu'elle, j'ai plus les formes qu'elle. Je ne sais même pas ce que tu vas faire avec une maigrichonne comme elle. Moi, tu me plais, tu es mon genre d'homme, et tout. Et je suis même prête à tout pour toi. C'est difficile à expliquer. Mais moi c'est ta copine que je veux. C'est elle qui m'intéresse. Ça n'a rien à voir avec toi, rien contre toi. Bon, on va faire ceci. Je vais tenter ma chance une dernière fois. J'aimerais que tu m'aides à passer une nuit avec ta copine, et en retour, je te donnerai 500 000. 500 000, pour t'aider, à passer une nuit, avec ma copine? Mais comment ferais-je cela, puisque la connaissant, je sais qu'elle ne va pas accepter. Tu pourrais monter un plan avec elle, en la faisant venir dans un restaurant qui est au sein d'un hôtel. Je vais te donner une poudre, que tu mettras dans sa boisson, et une fois qu'elle sera droguée, tu pourrais l'emmener dans la chambre d'hôtel, et moi je m'occuperai du reste. Waouh! Tout ça, pour une fille qui ne te veut pas. Vraiment, je ne comprends toujours pas. Moi je suis là, je me donne gratuitement à toi, mais tu veux dépenser 500 000. Pour que je monte un plan pour te permettre de passer une nuit avec mon ami. Bon, d'accord, puisque tu as de l'argent à gaspiller, moi je vais doubler le prix et te demander de mettre ça à 1 million avant que je ne t'aide. Je vais rencontrer mon ami demain, et lui faire une proposition qu'elle ne refusera pas. Une fois au restaurant, je te ferai signe de t'apprêter, et une fois qu'elle sera droguée, je la ferai monter dans la chambre de l'hôtel, où tu pourras la rejoindre. D'accord. Ça marche, et merci d'avance. Je vais même te donner la moitié, des 1 million, ce soir, et le reste que le plan aura réussi. D'accord. Et comme j'ai dit, je vais rencontrer mon ami demain, et je vais lui proposer quelque chose qu'elle ne va pas refuser. Super. Bon. On va manger. Serveur. Serveur. Dinès, tu regardes toujours les vidéos d'animation de la chaîne YouTube
et Burnie Inspiration ? Oui, cette chaîne fait un excellent travail, mais malheureusement, les gens regardent les vidéos sans laisser de pouces bleus. Pourtant les pouces permettent à l'algorithme de YouTube de placer la chaîne en première position, et aussi permettre à un plus grand nombre de voir leurs vidéos. On doit beaucoup encourager cette chaîne en likant, et en partageant, car paraît-il, qu'ils prennent beaucoup d'heures pour faire leurs vidéos. Ah ok. Bon, changeons de sujet. Que fais-tu ce samedi ? Rien pour le moment. Pourquoi poses-tu la question ? J'aimerais que tu m'accompagnes à un rendez-vous avec mon nouveau babaché. Toi, avec tes histoires de babaché. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas que la femme de ce babaché vienne me frapper, là-bas. Non, ne dis pas ça. Il n'est pas marié. Il m'a juste invité dans un restaurant, qui est au sein d'un hôtel, et par précaution, j'aimerais que tu sois avec moi, car j'ai un peu peur, puisque je viens de le rencontrer. Je t'en prie, viens me tenir compagnie, sinon si quelque chose m'arrive, tu auras ça sur la conscience. Toi avec ta manipulation. D'accord. Je serai là pour te tenir compagnie, mais sache que je n'encourage pas les filles de profiter des hommes à cause de leur argent. Merci, tu es une vraie sœur. Bonsoir Zéla. Ah. Tu es là. Merci d'être venu, mon ami. Bon, viens, on prend place. Ok. J'ai déjà commandé nos plats. Le serveur sera là d'un moment à l'autre. Ça marche. Alors il est où ton babaché ? Il dit qu'il est en route, mais qu'on peut commencer à manger. Tiens. Voici notre serveur. Bonsoir mesdames. Voici vos plats. D'accord, vous pouvez déposer là. Merci. Ah, tu as commandé mon repas préféré. Bon, moi je vais aller me laver les mains dans les toilettes, je reviens. D'accord, ça marche. Moi je me suis déjà lavé les mains. Ok, j'arrive. Bon, elle est partie. Personne ne me regarde, je vais profiter pour mettre la poudre dans sa boisson. Allez, c'est fait. Bon, suis de retour. Ness, qu'est-ce que tu as ? Non rien, j'ai trop mangé apparemment. On dirait tu as le vertige, toi tu n'es pas enceinte par hasard ? Viens, je peux prendre une chambre d'hôtel pour te reposer.